éclairs. Oui, j'ai la conclusion, j'ai l'impression qu'on va faire un tableau. Par contre, le drama pour les téléspectateurs, ça va être plutôt incroyable. Oh putain, eux, ils vont voir le combat. Ils vont voir l'envers du décor de Roberto, qui est un connard qui utilise 1000 potions, alors que les autres, ils font rien. C'est abusé de faire ça, quand même. Bon, je pense que t'as raison, on va pexer. Oh, mais non, on pourra capturer peut-être un nouveau Pokémon aussi. Bah c'est... ouais, écoute, ouais. Est-ce qu'il y a un Kecléon, du coup, dans les hautes herbes? Bah peut-être. Ah oui, on peut pas courir dans les hautes herbes. Je vais me brider. Groudon. Groudon sauvage. Oh, oh on l'a déjà. Ah, le Absol, il est stylé, hein. Je sais pas si c'est un bon Pokémon, mais il est très très swag. Moi, je l'avais dans Donjon Mystère, Absol. Enfin, je crois que c'est normal, parce qu'il fait partie de... Oula. Ah non. Il s'enfuit, non. Un cyclone. Mais c'est pas pour nous dégager, ça. Si. Mais ça n'a rien fait. Checker vite Google. Mais pour moi, cyclone, c'est tu le fais direct et ça te balaye, non. Enfin, c'est ce que ça fait, cyclone. Cyclonegouvernement.fr. Mais c'est quoi, le Pokémon prépare un cyclone? Moi, je pense que t'as raison, c'est une attaque chargée, genre lame air ou un truc comme ça. C'est quoi préparer un cyclone? Mais je sais pas. Préparer un petit cyclone. Hyper beau, allez. Allez, allez. Par contre, il évolue pas, ce Pokémon. Non, il évolue pas. Et c'est dans la boîte, merci à tous. Absol est attrapé. J'avais complètement oublié ce Pokémon avant de le revoir. Il arrive à capter précisément le moindre changement dans l'air ou sur Terre et peut ainsi prédire les catastrophes naturelles. Oh. Il a une espérance de vie de 100 ans. Ah, c'est stylé. Putain, j'ai pas d'inspi là. Absol. Absil. 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 En majuscule en plus, c'est bien, ça pourrait être... Un BSL, c'est pas la DSL. Allez, c'est valide. J'ai pas plus d'inspi que ça. On est désolé. Hein, t'es placé dans la boîte, appelé boîte 1. Est-ce que c'est un bon Poké ou pas? En fait, je le trouve stylé, mais je suis pas sûr qu'il soit bon quoi. J'ai un peu l'impression qu'il est rare aussi. Il est rare par contre, lui, je pense. Je pense, hein. J'ai l'impression qu'on a encore le cube bordé de nouilles. Déjà qu'on a eu un Mesmer. Pression, il a pression. Grave cool. Pour les Pépestola. Il a une très bonne attaque quoi. Après, le reste, c'est. Vitesse, ça va. Provoque. Ah, c'est coupe-vent, voilà. C'était pas. Donc ça fait quoi, coupe-vent? Une attaque en deux tours qui frappe au deuxième tour. 80, c'est pas non plus incroyable. Je sais pas, parce qu'il est ténèbre, du coup il a pas 200 milliards de contre, il y a que combat quoi. Ouais. Je sais pas, on pourrait le prendre. Hein. Mais il faudrait prendre la place de qui du coup? On prendrait pas Pascal? Ça veut dire qu'on a pas de type combat quoi. En vrai, moi je le trouve vachement bien. Hein. Il est un peu stylé en plus. Moi je le trouve, il est stylé, moi je le trouve bien, allez. Ok, allez. ok. Désolé Pascal, il a juste une petite sortie. Par contre, ouais, c'est ça. Et puis on prend l'ABSL. ABSL, à voir hein, si y a pas un surnom un peu plus cool qui nous vient après. Ouais. Franchement, si dans les coms vous avez des idées cool pour Absol, prononcez, hein, dites-le. Après, peut-être que ABSL ça va devenir légendaire. Ça fait un peu un nom genre PNL, j'imagine, un rappeur en fait. Tu devrais fuir. Et ben, go. C'est bah, pas en session XP. Ouais, on va XP pour les mettre tous au moins niveau 30. Ouais. A few inches later. Oh, l'Inéon. Incroyable. Oh. Wouah, Yavania. Ah, le coup de boule qui met mal quoi. Allez. Le cri de douleur est incroyable. Palpatine. Appuie pas sur B, hein, s'il te plaît. Non. Palpatine évolue, hein. Palpatoké. 2 hours later. Audacity. Ok, c'est bon. Alors, nous avons fini la session de PEX. J'ai récupéré la manette. Niveau 56. On est niveau 200. On est prêt à encaisser toutes les difficultés. Non, tout le monde est niveau 30, donc ça fait plaisir. Palpatine est bien sûr évolué, hein. 157 points de vie. Rune Protect, le move pool standard, hein. On a Rune Protect pour protéger des machins. Et on a encore pour faire la strat de l'abus. Et bah, pas de prélèvement destin parce qu'on n'est pas non plus pas bolzi à ce point quoi. ABSL, Dance Slam, donc ça c'est très très, c'est bonnard. En fait, la strat de bâtard de ABSL ce serait, tu me places au début quand il y a des Pokémon de merde, tu spams les reflets comme ça il est intouchable, ensuite tu spams les Dance Slam comme ça il prend des anabolisants, et ensuite bah tu OS tout le monde. Faut espérer que ça marche, parce que tu juste une attaque et... Sur le papier ça marche, maintenant bon, il a quand même 43 de défense quoi. Et voilà, il tombe pas tant que ça avec toi. Alors, Charles, ah Manier Piège, putain on a réalisé tout à l'heure que Manier Piège ça ne bloque que les types acier. Vous l'avez dit dans les commentaires c'est sûr, mais, on est des connards. Ah, je confonds A avec B, donc si vous voulez... Voilà, bah, acheter des bouteilles. Ah oui, alors par contre, on a... Ouais. Parce que... J'avoue qu'on a utilisé 1000 potions. Bonjour monsieur, je souhaiterais craquer en mon PEL. En quoi puis-je vous aider? Il a des hyper potions le mec quand même, hein. Donc 200 points, on a peut-être 200, pas besoin à ce stade. Sauf pour Palpatine. Mais bon. Combien on en prend? Une petite quinzaine, on a combien de balles? Ah mais on est craqué. Allez, ouais, j'en prends 15. Hein. Être bois, c'est parfait. Être bois, ah là, mais il est dégueu. Putain, papier paraît cool. Mais c'est cursed comme image en vrai. Carrément cursed. Il faut résoudre l'énigme de l'arène finalement. Mais à mon avis, il faut continuer. Pourquoi on peut pas courir dans cette ville de merde? C'est marrant. C'est...
C'est des réflexions de Joker que la manette. Ah, mais c'est incroyable ça. Oh, ah, mais c'est Pierre, on l'a vu tout à l'heure. Oui. Incroyable, je me souviens de ça. C'est Pierre. Salut Roberto, ça faisait longtemps. Il y a quelque chose ici que tu ne peux pas voir, n'est-ce pas? Ah, bah il est au courant, lui. Oui. Si j'utilisais cet appareil sur cet obstacle. C'est normal, c'est moi qui les ai mis. Plutôt que de t'expliquer, je te ferais mieux de te montrer, ce sera plus sympa. Roberto, tes Pokémon sont-ils. Prêts à se battre? Non, je pense ouais. pas. Oui. Roberto, montre-moi tes véritables pouvoirs de dresseur. Ah, ça va. J'ai cru que c'était le endgame de fin du jeu, on affronte Peter. Pierre utilise le Devonscope. Un Pokémon invisible devient entièrement visible. Un Pokémon effrayé attaque. Et voilà. Oh, il est dégueulasse. Bien, ouais. Putain, ils ont fait apparaître l'ombre, c'est bien fait. Il est un peu dégueu, on va se mentir. Ah, mais on pourrait le capturer théoriquement. Oui, mais non, c'est. Oui, bah c'est le Pokémon de la zone, mais genre. On aurait pu avoir un Kecleon. Mais je pense que ABSL fait clairement le taf. Vas-y, tu veux essayer ta strat là de... Alors, faut réfléchir parce que lui, c'est un type de FDP. Tu sais, il prend le type oui, de. Mais tu veux d'avoir fait ta strat de reflet plus dans ce là, bah, tu veux tester ma strat. J'ai un peu peur du Kecleon. Qu'est-ce que. Il avait pas lance-flamme. Si, mais c'était dans l'arène de feu qu'il avait ça. Est-ce qu'on tente la strat du bulk? C'est drôle, on essaye. La dernière fois qu'on a fait un reflet, Mesmer est mort. Hein, donc, l'attaque reflet me fait un peu peur, à vrai dire. Bon. Grincement, évidemment, il baisse très fort la défense. Ça fait plaisir quand on s'appelle ABSL. Allez, on continue parce que c'est la strat du bulk. Hein. Allez. On peut le faire combien de fois, attends? Je sais pas, 6 fois, non? 6 fois, du coup, oui, parce que c'est lourd. Feinte, ça rate pas. Merde. Ça marche pas du tout en fait. Mais ça fait aucun dégât. Bah vas-y, fais ton slab. Et il va prendre le type ténèbre par contre après. Bon, l'OS. Follow S absolument. Combo griffe, ça rate. Ah oui, grâce à l'esquive. Et oui, très fort. Dans slam 2 fois, faut le faire combien de fois dans slam? 3 fois. Faut le faire, genre. Faut le faire normalement. Oh putain, attends, je flippe. Ça fait un peu mal, hein. Oui, non, mais je flippe. Ça fait un peu mal. Ça fait, je flippe. Merde. Ça fait mal. Merde, hein. Non. Ça fait mal, hein. Non. Ça fait mal. Oh. Ah, je vais chialer. Putain, on vient de passer 1 heure à le pexer, là, le con. On était en mode, il est invincible, le gars, il a replay, là. Ah. And I don't need a jacket. Pourquoi on fait des strats comme ça? Oh, c'était sympa, allez. Oh, j'en peux plus. Oh, utiliser un autre Pokémon, non. Je prends la fuite, je m'en bats les couilles. Oh. Ta façon de combattre est un tricot, tu laisses mourir tes Pokémon et ensuite tu t'enfuis. Oh putain. Oh non, mec. Bah Pascal. Pascal, là, il va me revenir. Ah, ça me tue, je peux pas. J'aimerais que tu prennes le démoscope. Ah, oh, il prend un autre. Ah, Roberto, je meurs des Pokémon. Dresseur se donnait du mal. Bah putain, je trouve que tu le fais très bien, on s'affrontera ailleurs. Bah, casse-toi. Oh putain. Quoi? Il a fait vol. Oh. Allez, bah, son de Pokémon. non, mais quelle merde. Je suis dégoûté, je suis sûr qu'il avait du potentiel, mais en vrai, c'est. Bon, je veux dire un truc horrible, mais c'est peut-être mieux que ça se soit passé comme ça maintenant. Et que, tu sais, genre, on a arraché vraiment le pansement dès le début, sans douleur, plutôt qu'on s'attache à lui et qu'il meurt comme une merde. Parce que, vu la défense qu'il avait, franchement, là, c'est le combo griffe qu'il a. Bon, après, il s'est pris un grincement dans la gueule, mais bon. Voulez-vous le soigner? Je le soigne quand même. Mais bon, par respect. Mais bon, ça montre quand même qu'il tankait vraiment pas du tout. Allez, Pascal. Viens ici, oh. Et c'est reparti pour la session de Pex. Non, on va le mettre le multi-ex et on va continuer. Bon. Eh ben il rejoint la team du Valhalla, écoute, on va passer plus ta mère. Objet, prendre, prix, objet. Objet, allez, donner. Tu donnes. Donner. On a pas avancé du tout. Il y avait une Pokéball là. Oui, on peut pas, il y a un client devant. Ben on peut maintenant. Ah, mais du coup, on peut sur l'arène maintenant. Ah putain, mais oui, on a pas besoin d'avancer. Je suis désolé pour ces épisodes là. Je dis ces épisodes parce que je sais même pas combien il y en a, mais j'espère qu'il y en a pas 12 parce que vraiment on a rien branlé quoi. Au secours. Tu veux qu'on aille voir l'arène? On vous regarde vite fait les niveaux. Je pense qu'on peut mettre Charles devant pour les dresseurs lambda. Ouais. Ils sont pas tous Altaria séisme. Arène Pokémon le Steam Chronel, champion Alizé. Oh putain, c'est la chanteuse. Celle qui utilise les oiseaux et prend son envol. Ah, le fameux Pokémon oiseau. Pokémon oiseau, go. Vas-y, Pokémon oiseau. C'est quoi ça? C'est des tourniquets. Oh! Ah, oh, mais c'est incroyable!
T'as mis Charles devant. On va peut-être mourir. Alors, c'est quoi le délire? En fait, tu pourrais juste faire ça et passer, oui, quoi. Oui. Allez, prends l'existence dans un combat. Sortez la chèvre. Son visage, il est quoi, la chèvre? Bah, je vais faire un sacrifice. Ah. Vas-y, Roku, niveau 56. En avant, Pokémon oiseau. Tu sais, ils connaissent pas. Yeah. Il y a un armure. C'est sensible à quoi l'acier? Au combat. Au feu. Et au feu. On a ni feu et combat, ce serait Pascal. On a pas Pascal. Quand je vais clair sur Sonic Boom, mais tu le niques. Vraiment? Bah ouais, il doit pas avoir complété que ça. Ouais. Vas-y. Oh, il a pas lance-flamme. Allez, il est paralysé, c'est un seul. Vas-y, on essaie. Normalement, c'est juste normal, hein. Si je suis pas trop con. Ah. Eh ben c'est super efficace parce que l'acier n'est pas... D'accord, moi je me suis fait pour rien. Allez, salut Sonic Boom, salut. Ah, mais le mec il a aucun risque. Ah là là. Mais, on se calme, hein. Mais on est trop tendu, hein. Et là, il y a eu trop de combats un peu tendus, Pascal niveau 16. Il n'a pas pu t'arrêter. En vrai, on pourrait juste éviter tous les dresseurs, hein, mais bon. Peut-être qu'on se calme un petit peu, quoi. Parce qu'Alizée, à mon avis, Alizée... C'est pas elle qui a un Elodel Shiny? Putain, ça démarre les... Ah ouais? Stylé. C'est pas le cas, Aéropiqué qui a une attaque vol ultra vénère. Oh là, et on va se calmer. Hein. Charles, normalement, a une attaque spéciale de gros bourrin. Donc voilà. On est d'accord que oui, d'accord qu'il meurt. Il devrait OS comme un gros corps, normalement. Donc c'est pas Stylix en face. Voilà. D'un coup, le mec sort vraiment. Hein. Vas-y, Pokémon oiseau. Pikmin-Conny. Je me suis fait battre. Je me suis fait défoncer. Regarde l'élégance des Pokémon oiseau combat. Ah, c'est très... Arrêtez d'appeler ça des Pokémon oiseau. Putain, c'était Pokémon vol. Ah, mais non, c'est pour ça qu'ils appellent ça oiseau. Parce que, genre, il n'y a pas que des vols en fait. Y a, C'est vraiment des oiseaux, quoi. Ouais, bon, c'est, en même temps, il est type vol quand même de duo. En même temps, c'est un putain de deux têtes. C'est un monstre. Il est rapide de duo, je crois. C'est un monstre. Ah, bah, t'es-le. Il est rapide, mais pas aussi. Je vais le taser. SI, Hermur. Étincelle, oui. Il va quand même peut-être me taper, mais ça devrait aller. Il est niveau 30 tout à l'heure. Ah, tu penses que je le laisse carrément? Ouais. Et allez! Mais trop plus, c'est un Pokémon oiseau, ça, connard! C'est une gueule de Pokémon oiseau, ça? C'est type quoi? C'est vol et plante, du coup? Ouais, mais il tank. Je suis pas sûr comment faire. Ah, il tank comme un bâtard, ouais. Je pense que normalement, Charles, il devrait tanker aussi. Hein. Allez, on échange. Sauf s'il fait une attaque vraiment rush, je râle. Je sais pas, il fait quoi là? Éboulement? Il va faire écrasement ou alors cyclone. On perd du temps. Allez, papayon, allez, papayon en avant. Raval psy. Non, non, bah non, mais je mets nos sphérax, je m'en bats les couilles. Tu feras cyclone autant de fois que tu veux, mon gars. J'ai pété cette attaque, mais arrête. Mais c'est fou. Allez, mode bois. Il peut pas remettre le même Pokémon? Non, non, mode bois, c'est vraiment pas possible. Non, on échange. On va pépé stall, hein. On va pépé seul cyclone. Mais pourquoi il fait... Ah, ça échoue. Ça échoue. Il fait cyclone tout le temps. Attends, on n'a pas vol avec nos sphérax? Non. Bah non, on n'a pas encore la sage vol. Tu dégages. Ah non, il a tanké quand même. Et le cyclone. Qui va gagner l'XP? C'est Pascal, allez. Pascal est peut-être pas. Non, peut-être pas quand même. Non, non. Ça, on pourrait le tenter, hein, mais bon. Point karaté. Point karaté. Wouta. Wouta. Kenya. Dans les glandes, trop plus. Dans les glandes. Des bananes, en gars, toi qui l'en fais. Ah oui, d'accord. Ça veut dire que tu peux. J'ai perdu 3 PV. Allez, étonnement. Tout le monde gagne 2 XP. Tout le monde gagne. Pascal, 585. Niveau 19. Et il tente d'apprendre frappe Atlas. Ah ouais, c'est en fonction du level, ça. Inflige des dégâts selon le niveau du lanceur. Donc s'il est niveau 100, il inflige 100. Oh putain. De toute façon, on va pas garder gros yeux. Hein, donc, Et encore... Ah putain, il y a plein de dresseurs ici. Hein. Par contre, on va pas pouvoir esquiver le combat double. Pas la peine pour réaliser un champion de Stardust en ton cas. Je suis bien assez fort pour toi. Peut-être bien, hein. À voir. Deuxième héros des Pokémon oiseaux rejoint cette arène. En tant que membre de la reine de Sylphrenage, je ne peux pas perdre. J'aime Pokémon oiseau, je suis oiseophile. J'aime les dinosaures. J'aime les dinosaures. Tropius, le plus bel oiseau qui soit. Et les Dell. Et Doduo. Alors, et les Dell, c'est la puissance quand même un peu. C'est rapide. C'est rapide, ouais. Rapide. Rapide, je vous dis. Mais pas plus rapide que Nosphalax. Alors, bah, étincelle sur. On dégage les Dell, peut-être, c'est plus dangereux, non? Ouais, vas-y. Ah, et puis toi, tu vas faire quoi? Tu vas faire. Tu vas faire quoi? Tu vas faire cruel, hein. C'est cruel sur normal, sur Doduo. Voilà. Ah oui, bah, bon, parce que l'attaque en plus. Voilà. Ça tanque comme des gros bourrins, la cruelle LOS, allez ça dégage. C'est impuissant sinon ce Ferax hein, finalement. Bah ouais. Béquipan. Mais Béquipan, il va mourir tellement. Il va mourir tellement fort. Elle étincelle. Hop, elle est d'elle, ça se casse. Hop, ça meurt. Sauf s'il a lance-soleil. Béquipan lance-soleil. Mais ça tue. Mais je comprends pas. Oh, Xatu, putain. Xatu peut faire mal à Nosferax. Ah, Nosferax, on va peut-être le buter d'abord. Hein. Je spam le Xatu et puis il va crever normalement. Gros yeux. Ah fuck. Ah ça a fait baisser les deux défenses. Ouais, ouais. Attention c'est puissant. C'est strong hein. C'est strong. Putain il a bien tanké Xatu par contre. Je pense qu'il a une bonne défense spéciale. Xatu est KO. Et mort.
Voilà. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'on est dans des commentaires premier degré parce qu'on stresse un peu. Ouais, non, mais on a à peine commencé que les gens. Non, mais quand t'as... En fait, quand tu fais des sessions de PEX comme ça et que t'as un mort immédiatement, ça te calme direct. Chirax, Pascal et Pascal. Pascal Pro. C'est un pro. On continue, hein, je pense que c'est son problème. Charles, il a pris un peu de temps. Voilà. Tu ferais bien de savoir qu'il y a plusieurs sortes de Pokémon du type vol. Tu le sais, hein. Quoi? Vol, type vol. Vol cyclone. Il y a les vols dinosaures et les vols à plumes. Bah, Charles n'est pas préconisé, du coup. Tu crois qu'il a son Tropius sur son épaule? Je sais pas quel poids fait Tropius. Mais je crois que Tropius est petit, en fait. Tu veux pas regarder le Pokédex? Je suis curieux. Genre, s'il il fait 1m20, ça me fait un peu rire. Quoi. Ça serait un peu drôle. Il fait 20 kilos. Il serait peut-être petit, ouais. Ça serait drôle, non? Mais je crois que... Enfin, je sais pas. Il y a des Pokémon comme ça où je crois qu'il y a des trucs absolument incohérents. Enfin, tu les imagines pas comme ça, au final. Il fait 2 mètres. Ok. Ouais, c'est pas non plus énorme, quoi. Il fait 100 kilos. Ouais, c'est juste un mec un peu gros, quoi. C'est juste un mec un peu gros. Et Nosferax, regarde s'il fait pas 2 mètres. Parce qu'il y a moyen... Mais si, Nosferax, c'est ce qu'on avait regardé. C'est gros. Surpris, hein. C'est gros, en fait. Un peu con, hein. Brain. Allez, c'est là, c'est parti, quoi. Mais c'est quoi cette gueule? Ben, on dirait qu'elle a une combi de Star Trek, surtout, elle va aller dans l'espace, non? Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que c'est, les histoires? Ben, ça va être quel level? Déjà, niveau 35-36, je dirais. Je me chie dessus. Quand même. Le problème, c'est l'Altaria. Moi, je pense qu'il nous faut une attaque glace. Il y a un Altaria, c'est sûr. Si on avait une attaque glace, y a là, sachant que. Un Tilton en plus, ou un Tilton. Tilton, on les pète avec Charles, c'est pas un problème. Il y a et le Del pour moi. Et les Del, je pense qu'on l'OS aussi. Et Altaria, c'est Dragon Vol. Donc si on avait une attaque glace, il se ferait péter sa mère, quoi. S'il résiste au tonnerre. Je vais checker les CT qu'on a. Force cachée, on peut pas savoir ce que ça va faire. Et puissance cachée non plus, quoi. C'est tout petit, Altaria. Tu regardes la taille, il fait 6 mètres. 1,1 mètre. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'acheter genre laser glace ou une connerie comme ça? Ah, il est sensible à la roche aussi. On n'a pas de dégâts. Alors, on a éclat rock, mais bon. Je pense qu'il faut pas miser la game sur ça, quoi. Ah, on a tonnerre qu'on pourrait apprendre à Charles, ou alors on a onde de choc. Il l'apprend pas naturellement? Si, mais c'est dans longtemps, donc. Moi j'ai envie de skipper, de griller les étapes, non? Regarde, c'est 95 de pouvoir. Et ça sent précision. Bah oui, c'est trop bien. C'est ça qui est insane. 1-2 état d'A déjà, ça c'est fait. Sinon, on met Palpatine, hein. En vrai? Ça peut être la strat, mais j'ai peur qu'il meure aussi. Mais bon, normalement il tank comme un malade. Non, non, il devrait tanker, mais faut savoir ce qu'il va faire, faut savoir s'il fait séisme. Mais attends, tout est physique, non? Le dragon c'est physique, le vol c'est physique. Ouais. Le sol, c'est physique. Attends, mais tu dis Palpatine, attends. Moi, je me fais pas chier. J'ai peur qu'il meure comme une merde. À chaque fois, on prévoit des stats, des strats, et puis... Mais c'est passé contre Chartor, c'est bon. Mais ABSL, c'est passé de quoi? C'est passé de rien. En même temps, si tu fais des strats, c'était toi qui fais ta strat. Bon, je vais au moins soigner, et on prend le temps de la réflexion, d'accord? Je chie dessus, donc je sors de cette arène. J'avoue que ça pourrait être un bon move de voir Palpatine en action, finalement. Ce serait un peu drôle, mais... A few inches later. Regardez, je teste ma strat. Regardez pas l'écran depuis tout à l'heure. Ah, bah non, mais je suis con, c'est pas riposte, mais je suis un con. Mais si, parce qu'il peut faire écrasement, cela dit. Il tanque comme un gros porc, on est d'accord. Oui, non, mais d'accord. Ouais. Je fais voile miroir ou riposte. On peut pas savoir, d'où parfum, connard. Ce connard. Ah merde! Non! 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 Putain, mais c'est pas vrai! Eh si. Et j'ai remis la save avant que ABS elle meure. On est legit, on va reprendre. Je peux pas annuler, je peux pas faire un contrôle Z. C'est pas grave, on va regarder les trucs pendant ce temps-là. Regarde, on va regarder ABSL mourir comme une merde. Tu veux faire pareil? Tu veux faire reflet? Je vais essayer, voir si la même strat fonctionne. Lancement. Jusque là, tout va bien. T'as fait deux fois reflet. J'ai fait deux fois reflet. Ensuite, il a. Ah, bah il fait pas le même truc. J'ai fait deux fois lancement. Regarde comme ça aurait pu bien se passer. Enfin, ça fait de la merde. Tu veux faire une troisième fois? Ouais, je voulais le faire une troisième fois. Je vais bolter avec vous. Ah! Trois fois. On a la lock avec nous, morsure, et il meurt. Pas du tout! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est pas genre psy, il dit oui, t'as le psy, t'as les ténèbres. Mais quand même, t'as vu le nombre de... Putain, ténèbres. Ténèbres, c'est spécial. Ah, c'est spécial. Ténèbres, c'est spécial. Les commentaires nous le hurlent depuis le début. Vas-y, meurs. C'est quoi, il mérite de mourir à BSL. Il serait mort quoi qu'il arrive. Franchement, il serait mort quoi qu'il arrive. Pierre, ferme ta grosse bouche. Hey. Et on se casse, j'ai récupéré Pascal, oh là là, mais quel merdier. Mais attends, on l'a gagné la CS Vol en fait. Ah, on l'a, mais on est... Ah oui, on peut la prendre en tout cas. Je dégagerai quand même étonnement, perso. Oh là là, quel enfer cette session, putain. Oh, punaise. On est dans une ville depuis le début, hein.